Hallelujah. Amen. Now be seated. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. And listen to what God is going to do for you in 2018. Écoutez ce que Dieu fera pour vous dans l'année 2018. Say nothing shall be able to stand before you. Il dit que rien ne sera capable de s'arrêter, de se dresser devant toi. If you believe, say amen. Si tu crois, crie un grand amen. This year 2018. Cette année 2018. One. Un. Shall become a thousand. Un deviendra mille. What you used to do, ce que tu avais l'habitude de faire, shall be multiplied by a thousand. Sera multiplié maintenant par mille. Listen to this very carefully. Écoutez attentivement. That's what the Lord says. C'est ce que l'Éternel lui-même dit. In this year, que dans cette année, of the supernatural, du surnaturel, by His grace, par sa grâce. Every desert place in 2017, tout désert qui était en 2017, shall flow with waters, sera rempli d'eau. Anything that was dry in your life, tout ce qui était sec dans ta vie, will receive life, recevra la vie. Receive life, recevra la vie. Will receive life, recevra la vie. Au nom de Recevez. Every desert, tout désert, shall be fruitful, sera transformé en fécondité. And every fruitful land, et toute terre féconde, shall become, deviendra forest, une forêt d'abondance. Forest, une forêt d'abondance. There shall be abundance. Il y aura de l'abondance. There shall be abundance. Il y aura de l'abondance. There shall be abundance. Il y aura de l'abondance. Au nom de Jésus. Nothing shall be able to stop you. Rien ne pourra se dresser devant toi pour t'arrêter. Anything your hands find to do, tout ce que ta main trouvera à faire, you will finish it. Tu l'accompliras très bien. You will finish it. Tu l'accompliras très bien. Au nom de this year, cette année 2018, if you are here, si tu es ici, if you are here, si tu es ici, the spirit of non-accomplishment, l'esprit du non-accomplissement, has no power over your life, n'a pas de pouvoir dans ta vie. No power over your life. Whatever you start, tout ce que tu commenceras, you accomplish. Tu l'accompliras très bien. You start building a house, tu as commencé à construire une maison, you accomplish it. Tu l'accompliras très bien. You have started a project, tu as commencé un projet, you accomplish it. Tu l'accompliras très bien. It's not by might, ce n'est ni par la force, and not by power, ce n'est ni par la puissance, but by my spirit, mais par mon esprit, says the Lord, dit l'Éternel. Hallelujah. Amen. Zacharie 4, verse 7. Zacharie 4, verset 7. Nothing shall be able to stop you. Rien ne sera capable de t'arrêter. Tu n'as pas dit amen. The things that used to fight you in 2017. Ce qui avait l'habitude de te combattre en 2017. The things that used to oppose you in 2017, tout ce qui s'opposait à toi en 2017, has been removed. Toutes ces choses ont été dégagées. And your power has been broken. Le pouvoir a été annulé. When they look for you, et quand ils te rechercheront, they will not find you. Ils ne te trouveront nulle part. Whatever they will send your name, quel que soit le lieu où ils enverront ton nom, or your picture, ou ta photo, to make invocations, pour faire des incantations, thundering, le tonnerre, and fire, et le feu, an earthquake, et le tremblement shall de terre, répondront à ta place, par le feu, shall consume them, et le feu les consumera. Au nom de
In your workplace. Là où tu travailles. In your workplace. Là où tu travailles. Those who used to fight you. Ceux qui te combattaient. Those who used to plot against you. Ceux qui complotaient contre toi. Those who were fighting your promotion. Ceux qui combattaient ta promotion. It is their end. Voici la fin. In 2018. En 2018. When they attempt. Quand ils tenteront. They shall be destroyed. Ils seront effacés. In the name of Jesus. Au nom de. Nothing shall stand before you. Rien ne se dressera contre toi. Zacharie 4 verset 7. 4 verset 7. Read this. Lisons tous ensemble. No mountain shall be able to stand before you. Aucune personne ne pourra se dresser no contre toi. No mountain. Aucune montagne shall be able to stand before you. Ne sera capable de se dresser devant toi. No powers of darkness. Aucun pouvoir des ténèbres. No spiritual wickedness. Aucune méchanceté ténébreuse. No throne. Aucun trône. Shall be able to stand before sera you. Capable de se tenir devant toi. No altar. Aucun autel. From the camp of the devil. Venant du camp du diable. Shall be able. Ne sera capable. To speak. De dire un mot. Against you. Contre toi. In the name of Jesus. Au nom de. Read. Lisons ensemble. 1, 2, 3, read. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Hallelujah. Amen. Put your name there. Mets ton nom à la place de Zorobabel. Zorobabel is dead. Zorobabel est mort il y a longtemps. You are alive. Toi, tu es vivant aujourd'hui. This word is for you. Cette parole te concerne. Put your name there. Remplace Zorobabel par ton nom. 1, 2, 3, lisons. Qui es-tu, grand montagne, devant Pasteur Sam? Tu seras aplané. Il posera les pierres principales au milieu de l'acclamation. Grâce, grâce pour elle. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. No mountain. Aucune montagne. Shall be able to stand. Ne sera capable de se dresser. 2018. En 2018. This is the word of the Lord. Voici la parole de l'Éternel. No mountain. Aucune montagne. They can conspire against ils you. Ils peuvent même conspirer contre toi. But they shall be made plain. Mais ils seront aplanis. They shall gather. Ils se rassembleront. As they used to do. Comme ils avaient l'habitude de faire. To plan against you. Pour planifier contre toi. But fire will come and mais consume le feu répondra à ta place pour les consumer. Who are that mountain? Qui est cette montagne? They can stand before you. Qui vient se dresser devant toi? They can stand before me. Qui peut se dresser devant moi? In 2018. En 2018. No way. Pas question. No way. Sans moyen. Dis pas question. Pas question. C'est pas possible. No mountain. Aucune montagne. Shall be able to stand before me. Ne peut se dresser devant moi. In 2018. En 2018. Nothing shall be resist me. Rien ne me résistera. I will accomplish my destiny. J'accomplirai ma destinée. Oh, give the Lord a big clap of acclamez le Seigneur Jésus. Verset 9. Put your name where Zerubbabel is. Remplace Zerubbabel par ton nom. The Lord is speaking to you. Et l'Éternel te parle aujourd'hui. What you will do. Ce que tu feras. What you could not do in 2017. Ce que tu ne pouvais pas faire en 2017. In 2018. En 2018. You are going to do it. Tu le feras. And what you are going to do in 10 years. Et ce que tu feras en 10 ans. Will be done in 2018. Sera accompli en 2008. En 2018. I didn't hear amen. Je n'ai pas entendu amen. Celui qui dit amen plus fort, c'est ta portion. Amen, 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 amen. Alléluia. Lisons ensemble. 1, 2, 3, lisons. Les mains de Pasteur Sam ont fondé cette maison. Et par ses mains, la chèvreront. Et tout sera que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Whatever your hands have started. Tout ce que ta main a commencé. Your heart. Ta main will accomplish it. La chèvera. Will accomplish it. Ta main la chèvera. Alléluia.
Whatever you start, tout ce que tu commences, you accomplish it. Tu l'accompliras. Hallelujah. Hallelujah. Cette année, l'esprit de blocage est loin de toi. Hallelujah. Je ne veux pas entendre tous mes affaires sont bloquées. Tu es passé où pour que tes affaires soient bloquées? Est-ce que tu es ici ce soir? Tu es ici ce matin? Est-ce que tu as traversé 2017 à 2018? L'Éternel dit, tout ce qui ta main possède les fondations, ta main va accomplir. Oh, celui qui dit plus fort, amen, c'est lui qui est bon. Quel enfer entendre ce que l'Éternel t'a dit, pousser la main encore. Alléluia. This year, cette année, the spirit of non-accomplishment, l'esprit du non-accomplissement, has no way in your life. N'a pas de place dans ta vie. Alléluia. Amen. For the past years, dans les années passées, whatever you start, ce que tu commençais, it looks like you are going up. C'était comme si ça avançait. And then it comes down again. Et tout d'un coup, ça revenait à la case départ. This year, cette année-là, no way. Pas question. No way. Pas question. No way. No way. Dis pas question. Au nom de Jésus. I speak by the Spirit. Je parle par l'esprit. If you are here, si tu es ici, know it. Sache que, and believe in the Lord, et crois en l'Éternel, that whatever you start, que tout ce que tu commenceras, you accomplish it. Tu l'achèveras très Hallelujah. Bien. Because it's the year of the supernatural. Parce que c'est l'année du surnaturel. By His grace. Par sa grâce. His grace is sufficient for you. Sa grâce nous suffit. His grace is sufficient. Sa grâce nous suffit. His grace is sufficient. Sa grâce nous suffit. That grace, et cette grâce, will open doors for you. Nous ouvrira des portes. Where others will be shut. Là où les autres ne pourront pas entrer. Did you hear it? Est-ce que tu as bien compris? I said that grace. Je dis que cette grâce, will open doors for you. Nous ouvrira des portes. Where others will be shut for. Qui étaient fermées pour d'autres personnes. That grace, cette grâce, will bring you. T'en verra before kings, devant des rois, before men in authority, devant des hommes d'autorité, give you favor, et te favoriseront, give you favor, ils te favoriseront. Where you were refused, là où tu étais refusé, in 2017, en 2017, in 2018, en 2018, you will be accepted, tu seras accepté, you will be respected, tu seras accepté, you will be celebrated, tu seras célébré. You should be celebrated, tu seras célébré. Those who are looking down on you in 2017. Ceux qui te méprisaient, qui te sous-estimaient, qui te regardaient de bas. They will come. Ils viendront devant toi. In 2018. En 2018. And kneel down before you. Et se prosterneront devant toi. Kneel down before you. Et se prosterneront devant toi. The higher your amen, there's a way some come in your life. Plus grand est ton amen, ça s'accomplit très rapidement. It's your year of multiple blessings. 2018 est ton année de bénédiction multipliée, multipliée, multipliée. Remember that everything that belongs to you. Souviens-toi que tout ce qui t'appartient. That did not come into your hands. Qui n'était pas venu dans ta main. In 2017. En 2017. You have carried it into 2018. Tu les as portés, tu les as arrachés pour entrer en 2018. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Give the Lord a big clap of praise. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Let's read Ezekiel 47. Lisons Ezekiel 47. The Lord is about to do great things for us. L'Éternel est sur le point de faire de grandes choses pour nous. So this is the year of my supernatural. Il dit, je suis dans mon année du surnaturel. By His grace.
Je suis dans mon année du surnaturel. Par sa grâce. Alléluia. Amen. Ézéchiel 47, 12. Ézéchiel 47, 12. Great things are going to happen in your life. De grandes choses se passeront dans ta vie. You know what is going to happen to you in 2018? If you know, si tu savais, what is going to happen to you? Ce qui va t'arriver en 2018. You will be always. Tu seras toujours attaché to God. À Dieu. You will always be in His presence. Tu seras toujours dans sa présence. When people see you, quand les gens te verront, they will not recognize you. Ils ne te reconnaîtront pas. Oh, c'est pas ceux qui sont ici là. Si les gens vous voient, ils ne peuvent pas vous reconnaître. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Si les gens vous regardent, ils ne peuvent pas vous reconnaître. Alléluia. They will see you. Les gens te verront. And they will ask you. Mais ils vont te demander. Is that you? Est-ce que c'est toi? Cette question est très dangereuse. Hey. La personne te voit et puis te demande, est-ce que c'est toi? Tu dis, bien sûr, c'est moi. Alléluia. Amen. Et puis tu vas dire, tout ça là, c'est par la grâce de Dieu. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verse 12. Verset 12. Il says, 47. And by the river upon the bank thereof. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté. On this side and on that side. Sur les bords de chaque côté. Shall grow all trees. Croîtront toutes sortes d'arbres. For meat. Fruitiers. Whose leaves. Dont leur feuillage. Shall not fade. Ne se flétrira point. Neither shall the fruit thereof. Encore moins leurs fruits. Be consumed. N'auront point de faim. It shall bring forth new fruits. Ils mûriront. According to its months. Tous les mois. Because their waters. Parce que leur eau. That issued out of the sanctuary. Sortiront du sanctuaire. And the fruit thereof. Leurs fruits. Shall be meat. Serviront de nourriture. And the leaf thereof. Et leurs feuilles. Shall be medicine. De remède. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Ici. Tu vois. The prophet. Le prophète. Here. Ici. Was speaking. Parlait. About the river. De la rivière. And that river. Et ce torrent. Is the Holy Ghost. Est le Saint-Esprit. Is the Holy Ghost. C'est le Saint-Esprit. Is the Holy Ghost. C'est le Saint-Esprit. Oh, is the Holy Ghost. C'est le Saint-Esprit. In the year of the supernatural. Dans cette année du surnaturel. We operate with the Holy Spirit. Nous opérerons avec le Saint-Esprit. Say amen. It is the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit who led us qui nous a conduits from 2017 de 2017 into 2018. Pour nous faire entrer en 2018. And he says in 2018. Et lui-même dit qu'en 2018, I've taken control. Il prend le contrôle. You will no more struggle. Tu ne lutteras plus. You will no more struggle. Tu ne lutteras plus. You will no more struggle. Tu ne lutteras plus. You will no more struggle. Tu ne lutteras plus. And he says. Et il dit. On the side of the Holy Spirit. Que, étant du côté du Saint-Esprit. On the side of the river. Du côté de la rivière. Anybody who aligns himself. Toute personne qui se rapproche. To the Holy Spirit. Du Saint-Esprit. Anybody who allows the Holy Spirit. Toute personne qui permet au Saint-Esprit. To lead him. De le conduire. Anybody who allows the Holy Spirit. Toute personne qui laisse le Saint-Esprit. To guide him. Le guider. Anybody. Toute personne. Who submits himself. Qui se soumet. To the leadings of the Holy Spirit. À la directive du Saint-Esprit. He says. Le Saint-Esprit dit. It shall be. Que cette personne sera. Like a tree. It shall grow like a tree. Cette personne croîtra comme un arbre. For meat. Fruitier. And its leaf. D-
dont les feuillages shall never fade, ne flétriront point this year, cette année. As long as you are connected to the Holy Ghost, aussi longtemps que tu restes connecté au Saint-Esprit, your leaf, tes feuilles shall always be green, seront toujours vertes. Shall always be green. Tes feuilles seront toujours vertes. Shall always be green. Tes feuilles seront toujours vertes. Alléluia. Alléluia. Amen. He said you always bear fruit. Il dit que tu porteras toujours du fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. As long as you are connected to the Holy Spirit, aussi longtemps que tu restes connecté au Saint-Esprit, this year, cette année, you bear fruit. Sache que tu porteras du fruit. And he says, from month to month. Et Dieu lui-même dit, chaque mois, janvier, où tu porteras, tu porteras des fruits. Amen. Février, je reçois. Tu porteras des fruits. Je reçois. Mars, amen. Tu porteras des fruits. Avril, hey. Tu porteras des fruits. Je reçois. Mai, Tu porteras des fruits. Je reçois. Juin, Tu porteras des fruits. Je reçois. Juillet, Tu porteras des fruits. Je reçois. Août, hey. Tu porteras des fruits. Je reçois. Septembre, hey. Tu porteras des fruits. Octobre, tu porteras des fruits. Novembre, tu porteras des fruits. Et décembre, tu porteras encore plus de plus de plus de fruits. Je reçois. What God is saying, ce que Dieu est en train de dire, that every month, c'est que chaque mois, you will be fruitful. Tu seras productif et fécond. Alléluia. And you always move from glory to glory. Et tu avanceras toujours de gloire en gloire. Every year there will be promotion. Every month there will be promotion. Chaque mois tu feras ta promotion. Every month there shall be promotion. Chaque mois tu verras ton avancement. Hallelujah. Yes. Oui. You will be progress. Tu progresseras. You will be advancing. Tu avanceras. From January to February. De janvier à février. February to March. De février à mars. March to April. De mars à avril. April to June. D'avril à juin. May to June. De juin à juillet. June à juillet. De juillet à août. July to August. De août. August to September. September to November. October November. D'octobre à novembre. If you shout a big amen, it's your portion. Si tu cries un grand amen, c'est ton héritage. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And look at it. Et regardez bien encore. He says, il dit, you'll be fruitful. Que tu seras fécond. You progress in life. Tu progresseras dans ta vie. You'll be very successful. Tu seras un homme ou une femme de succès. You walk in supernatural blessings. Tu marcheras dans la bénédiction surnaturelle. Why? Pourquoi? Because your waters, parce que tes eaux, are coming out of the sanctuary. Viennent du sanctuaire. Your waters, tes eaux, are coming out of the sanctuary. Viennent du sanctuaire. The water, les eaux, that will water your trees, qui viendront arroser tes arbres, is coming from the sanctuary. Viennent du sanctuaire. It's coming from this place. Viennent de ce lieu. It's coming from la bénédiction. Viennent de la bénédiction. It's coming from tempête de prière. Viennent de la tempête de prière. It's coming from nuit d'adoration. Viennent de la nuit d'adoration. It's coming from the sanctuary. Viennent du sanctuaire. Have you heard what the Lord is saying? Est-ce que tu as compris ce que l'Éternel dit? He says, il dit, don't go and sit down. Ne va pas t'asseoir. And expect it. Pour attendre que to happen to you. Tes bénédictions là ça arrive. He says, il dit, the waters, les eaux, that will water you, qui viendront t'arroser, to make you fruitful, pour te rendre fécond et productif, that will make you productive, qui te feront produire, that will make you progressive, qui te feront progresser. That water, ces eaux là, is coming from the sanctuary, viennent du sanctuaire. That water, cette eau, is the power of the Holy Ghost, c'est la puissance du Saint-Esprit. It's the power of the Holy Ghost, la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas bien dit amen. As long as you are connected to the sanctuary of God, aussi longtemps que tu restes connecté au sanctuaire, you will be watered. Tu seras arrosé. You will be watered. Tu seras arrosé. You will be watered. Tu seras arrosé. And you shall be fruitful. Et tu seras productif et fécond. Alléluia. Amen. Alléluia. Says my year. Dis c'est mon année. Of the supernatural. Du surnaturel. By his grace. Par sa grâce. Say, I'll be fruitful. Dis, je serai fécond. I shall be productive. Je serai productif. Because I'm watered. Parce que je suis arrosé.
from the sanctuary. À partir du sanctuaire. By the power of the Holy Ghost. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Hey. Give the Lord a big clap of praise. Yeah. John 7, verse 37. Jean 7, verset 37. These are the words of Jesus. Et voici les paroles de Jésus. Lisons ensemble. 1, 2, 3, lisons. Attends. On dirait que c'est trois personnes seulement. 1, 2, 3, lisons. Alléluia. Amen. Jesus, Jésus, on the last day, le dernier jour of the Passover feast, de la fête de Pâques, he stood up, s'est levé in Jerusalem, à Jérusalem, in the temple, dans le temple, and he cried out, et il a crié, he said, whosoever, et dit, si quelqu'un is thirsty, a soif, let him come to qu'il me, qu'il vienne à moi, and drink, et qu'il boive. Hallelujah. Hallelujah. He said, if you are thirsty, il dit, si tu as soif, come and drink. Viens boire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif ce soir, ce matin? Il y a des gens qui sont soif ce matin. Recevez la boisson de Saint-Esprit. Recevez la boisson de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Because, parce que, sit down, asseyez-vous. It is this drink, c'est cette eau, that is going to make the difference, qui fera la différence in your life, dans ta vie. Hallelujah. Amen. So follow it very well. Alors suis attentivement. Jesus stood up. Jésus s'est levé. And cried out. En criant. So if anybody is thirsty, et dit, si quelqu'un a soif, let him come. Qu'il vienne à moi. And drink. Et qu'il boive. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Because that drink, parce que cette eau, is all that you need. C'est tout ce dont tu as besoin to move you, pour avancer, to move you, pour te faire in the supernatural, dans le surnaturel. Hallelujah. Hey. In 2018, you need, tu as besoin, this drink, de cette eau. Hallelujah. Amen. Verse 18. Verset 18. 38, sorry. Verset 38, pardon. 1, 2, 3, read it. Bon, maintenant, ceux qui dorment, c'est à votre tour de lire maintenant. 1, 2, 3, lisons. Pour la dernière fois, 1, 2, 3. Jesus, Jésus. So if you believe, dis si tu crois, in him, en lui, if you believe, si tu crois in what he say, en ce qu'il dit, rivers, des fleuves, rivers, des fleuves of living water, d'eau vive, shall flow, couleront from your belly, de ton sein. This is what you need, et c'est ce dont tu as besoin, to triumph, pour triompher, in a year, dans cette année 2018. It's not your might, ce n'est ni pas ta force. It's not your power, ce n'est ni pas ta puissance. It's not your intelligence, ce n'est ni pas ton intelligence. It's not your skills, ce n'est ni pas tes capacités. All of these ones are good, toutes ces choses-là sont des bonnes choses. But you need something more, mais tu as besoin de quelque chose de plus. The power of the Holy Ghost, c'est la puissance du Saint-Esprit. The anointing, c'est l'onction. To move, pour agir, in a higher dimension, dans une dimension très élevée. Hallelujah. Amen. Your personal power, ta puissance personnelle. Your personal know-how, your personal abilities, tes capacités personnelles, are limited. Ton savoir-faire est limité. They have limits. Toutes ces choses ont des limites. But to go into the supernatural, mais pour pouvoir avancer dans le surnaturel, to move from natural, tu sois sorti du naturel, and enter into the supernatural, pour entrer dans le surnaturel, you need, tu as besoin, the anointing, de l'onction, the power of the Holy Ghost, la puissance du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. So Jesus said, alors Jésus dit, if you believe, si tu crois, in me, en lui, out of your belly, de toi, shall flow, couleront rivers, des fleuves of living water, d'eau vive, out of your belly, de ton sein, shall flow, couleront the anointing, l'onction. Do I have believers here? Est-ce que nous avons des croyants ici? Do I have believers here?
No believers here. Est-ce que c'est des croyants ici? Out of your belly, de danser, shall flow, coulera, rivers of living water. L'onction des fleuves d'eau vive. Alléluia. Amen. Now, get to the understanding of Jesus, what he was saying. Alors, comprends maintenant ce que Jésus voulait dire. In verse 39. Dans le verset 39. You understand? Tu comprendras mieux. When Jesus talks, quand Jésus parlait, that if you are thirsty, en disant que si tu as soif, come to me, viens à moi, and drink, pour boire, and if you believe in me, si tu crois en moi, out of your belly, de ton sein, shall flow rivers of water. Couleront des fleuves d'eau vive. Verse 39. Verset 39. Explains it to you. L'explique maintenant. Now read it. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Read it. Stop. I don't want you to miss what is going to happen in 2018. Parce que je ne veux pas que tu rates les bénédictions qui t'arriveront en 2018. Don't just come and shout here and go without knowledge. Ne viens pas ici crier puis tu vas ressortir sans connaissance. Hallelujah. Read it. Don't, it's not a time to sleep. Ce n'est pas le moment pour dormir. Lis bien. 1, 2, 3. Lisons. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été. Encore. 1, 2, 3. Encore. When Jesus spoke this words, quand Jésus parlait ces paroles, he has not yet gone to the cross. Il n'était pas encore allé à la croix. He has not yet been glorified. Il n'avait pas encore été glorifié. He has not yet ascended into heaven. Il n'était pas encore monté au ciel. The Holy Spirit has not yet come. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. And the Bible says, et la Bible nous dit par là, the rivers que les fleuves that he was talking about, dont il parle, was the Holy Spirit, représente le Saint-Esprit that we were supposed to receive, que nous devons recevoir. But I've come to announce you, mais je suis venu annoncer à quelqu'un. Jesus has died. Jésus est mort. Jesus has risen. Jésus s'est ressuscité. Jesus has been glorified. Jésus a été glorifié. Jesus has gone to heaven. Jésus est monté au ciel. The Holy Ghost has come. Et le Saint-Esprit est venu. The Holy Ghost is in you. Et le Saint-Esprit est en toi. 2018. En 2018. Out of your belly, de ton sein, shall flow, couleront, rivers of living water. Fleuves d'eau vive. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. 2018. En 2018, is the work of the Spirit. C'est l'œuvre de l'Esprit. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit is going to carry you through. Te transportera. Hallelujah. Hallelujah. If you don't have, si tu n'as pas communion, si tu n'as pas de communion with the Holy Spirit, avec le Saint-Esprit, this year, cette année, train yourself, forme-toi, to have communion, pour être en communion with the Holy Ghost, avec le Saint-Esprit. You will not struggle. Tu ne lutteras même plus. Hallelujah. Because the Holy Spirit, parce que le Saint-Esprit knows what is good for you, sait ce qui est très bon pour toi. He knows the perfect will of the Father for you. Il connaît la volonté parfaite du Père céleste pour toi. If you submit yourself to si him, si tu t'abandonnes à lui, he will lead you. Il te conduira. He will guide you. Et il te guidera. And he will take you. Et il t'enverra. To your expected end. À tes attentes. Hallelujah. That is why he came. C'est la raison pour laquelle il est venu. He came. Il est venu as our teacher. En tant que notre enseignant. Our perfect teacher. Notre enseignant parfait. To lead us into all truth. Pour nous conduire dans toute la vérité. He came. Il est venu as our guide. En tant que notre guide. To guide us. Pour nous guider. So that we walk in the light. Pour nous permettre de marcher à la lumière. Il est venu to reveal to us. Nous révéler the future. Le futur. The future. Ton futur. The future. Ton futur. Only three people said amen. C'est seulement trois personnes qui ont répondu amen. Now you are 50. Maintenant il y a compté 15 personnes. Maintenant même ça réduit à 10. Aïe, là maintenant c'est deux personnes seulement. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. So you see, alors vous voyez, this year, cette année, you will not struggle. Vous ne lutterez plus. If you want to do things by your own self, si vous voulez faire des choses avec votre propre force, you will not achieve much. Vous ne serez pas capable d'accomplir beaucoup de grandes choses. If you allow the Holy Spirit, mais si vous laissez le Saint-Esprit to guide you, vous guider, to lead you, vous conduire, you achieve great things. Vous accomplirez de grandes choses. Personne n'a dit amen. If you submit yourself to the Holy Spirit, si vous vous soumettez au Saint-Esprit, this year, cette année, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, can tell you, pourra te dire, what will happen next week, ce qui va t'arriver l'année prochaine, next week, la semaine prochaine. Tu n'as pas besoin de consulter un prophète pour connaître ce qui va t'arriver le lendemain. Cette année, je vous promets, si tu vas te soumettre totalement au Saint-Esprit, il est là pour te révéler le futur. Amen. Avant de poser un acte, avant d'investir dans quelque chose, avant de poser un acte, consultez le Saint-Esprit et allez te coucher. Et dans ton sommeil, il va venir te donner toutes les réponses. Alléluia. 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 I release the gifts of the Holy Spirit, right? Je libère maintenant les dons du Saint-Esprit. Receive the gift of wisdom. Recevez le don de la sagesse. Receive that gift of the word of wisdom. Recevez le don de la parole de sagesse. The Holy Spirit will drop into your spirit. Le Saint-Esprit déversera dans ton esprit. The precise word of God. La parole précise de Dieu. For your life. Pour ta vie. Receive it now. Recevez maintenant. Receive it now. Recevez maintenant. Receive it now. Recevez maintenant. Receive. Recevez. The gift. Les dons. Of the spirit of knowledge. De l'esprit de connaissance. Recevez. 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 Receive the gift. Recevez le don. Of the spirit of discernment. De l'esprit du discernement. Anybody who approach you, toute personne qui s'approchera de Holy toi, Ghost, le Saint-Esprit, will reveal te révélera the spirit, l'esprit, that is in that person to qui you. Se trouve dans cette personne. Hallelujah. Amen. You will not make a mistake. Tu ne feras pas d'erreur. If you want to be in association with somebody, si tu veux t'associer avec quelqu'un, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, will reveal to you te révélera the intentions, les intentions of that person, de cette personne, whether it's good or bad. Que ce soit de bonnes receive ou de mauvaises it. Intentions, recevez, receive it. Recevez, the gift. Le don of the spirit of discernment. Du discernement. All over the place. Partout dans ce lieu. All over the place. Partout dans ce lieu. All over the place. Partout dans ce lieu. Receive that spirit. Recevez cet esprit. The gift of the spirit of discernment. Le don du discernement. Upon your life. Sur votre vie. 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 Upon your life. Recevez. 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 Maintenant. Recevez. Recevez. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Recevez. Now. Recevez. Now. Le don du discernement. Take it. Maintenant. Take it. Recevez. Take it. Recevez. Take it. Recevez. Take it. Recevez. I release that spirit upon your life. Je libère cet esprit sur ta vie. This year, cette année, you operate, tu opéreras in the gifts of the Holy Ghost. Avec les dons du Saint-Esprit. In the gifts of the Holy Ghost. Avec les dons du Saint-Esprit. Receive the wisdom of God. Reçois cette sagesse de Dieu. Whatever you do, tout ce que tu feras, will be successful. Réussira. You will not make a mistake. Tu ne feras pas d'erreur. Because the Holy Ghost, le Saint-Esprit, will guide you. Te guidera. And keep you. Te gardera. In the name of Jesus. Au nom de. I release special grace upon your life. Je libère la grâce spéciale sur ta vie.
What you could not achieve before, ce que tu n'as pas pu accomplir avant, you achieve it now. Tu seras capable de l'accomplir maintenant. In 2019. Great and effectual doors will be open unto you. De grandes portes d'accès très efficaces te seront ouvertes. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Receive that gift now. Recevez ce don maintenant. Receive it. Recevez. It's all over this place. Partout dans ce lieu. It's all over this place. Recevez. Receive it. Recevez. Receive it. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Recevez. Take it. 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 Recevez. In the power of the Holy Ghost. Par la puissance du Saint-Esprit. Power of the Holy Ghost. Par la puissance du Saint-Esprit. Power of the Holy Ghost. Par la puissance du Saint-Esprit. Kabalo shikaba. Recevez. Libra hakataba. Recevez. Libro shikala balaba. Recevez. This year, cette année, as long as you are connected, aussi longtemps que tu restes connecté to the Holy Spirit, au Saint-Esprit, you are going to do great things. Tu feras de grandes choses. Tu n'as pas dit amen. You are going to accomplish mighty things. Tu accompliras de grandes et de puissantes choses. Recevez. 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 Libro shikalabala. Recevez. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Give the Lord a big clap of. Donne une grande acclamation au Seigneur. Seigneur Jésus, acclamez Jésus. Acclamez notre Seigneur Jésus. Acclamez notre Seigneur Jésus. Acclamez notre Seigneur Jésus. Lift up your hands. Levez vos mains. The Bible tells us. La Bible nous dit. Of what the anointing can do. Ce que l'onction peut faire. The anointing is transferred. L'onction est transférée. And this morning. Et ce matin. As we are in the year of the supernatural. Tandis que nous sommes pleinement dans l'année du surnaturel. By his grace. Par sa grâce. I'm transferring the anointing. Je suis toujours en train de transférer the anointing l'onction into your homes. Dans votre foyer, dans vos maisons. I want to hear a big Je veux entendre un très grand amen. I want to hear big Je veux entendre un très grand amen, 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 amen. Hey, recevez. 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 Libro sika la bala bala. Recevez. Lika bala bala basanta. Recevez. Libo la boshata bakala baya. Recevez. Lika kaba santa la bala. Recevez. That anointing is flowing right now. Cette onction est sur vous maintenant. It's flowing. Elle coule maintenant. It's flowing. Elle coule maintenant. Elle coule. It's flowing. Elle coule. It's flowing. Elle coule. It's flowing. Elle coule. It's flowing. Elle coule. In our midst now. Parmi nous. Yes. Oui. Yes. Oui. That anointing. Cette onction. It's flowing all over the place. Coule partout dans ce lieu. All over the place. Partout dans ce lieu. All over the place. Partout dans ce lieu. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. The Bible tells us. La Bible nous dit. In Acts 19, verse 12. Dans le livre de Actes 19, verset 12. From verse 11. À partir du verset 11. Actes 19, 11. Stand and read it. Levez-vous et lisez tous ensemble. 1, 2, 3, lisons. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu va faire
des miracles extraordinaires par ta main à 2019. Je reçois. Parce que l'un des dons de l'esprit, c'est le don de faiseur de miracles. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est un don de le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. In 2018, en 2018, God is going to do extraordinary miracles. Dieu fera des miracles extraordinaires. By your hand. Par tes mains. By your hand. Par tes mains. So many great things happen here. Beaucoup de grandes choses sont en train de se passer ici. So many great things happen here. Beaucoup de grandes choses se sont passées ici. There are so many testimonies. Il y a eu beaucoup de témoignages. And in one of our meetings, et dans l'un de nos rassemblements, the Holy Spirit said, le Saint-Esprit avait dit, lift up your hand, right hand. Levez votre main droite. And he said, et le Saint-Esprit avait dit, this is the hand of God. Que votre main est la main de Dieu. And whatever you touch, tout ce que vous toucherez, there shall be a miracle. Il y aura des miracles. Those who believe, et ceux qui ont cru en cette parole, when they were in trouble, quand ils étaient dans des problèmes, when the adversity came, quand ils étaient dans les épreuves, they applied it, ils ont appliqué cette parole, and they received their miracle. Et ils ont reçu l'accomplissement de leur miracle. And they received their miracle. Ils ont reçu leur miracle. Hallelujah. Amen. God has done so many wonderful things in our midst. Et Dieu a fait trop de merveilles parmi nous. Hallelujah. Alléluia. Je dis que cette année, by your hand, par tes mains, by your hand, par tes mains, God is going to work extraordinary miracles. Dieu fera des miracles très extraordinaires. Alléluia. Amen. There are people that they have written them off. Il y avait des gens qui avaient été effacés même de la terre. The doctors have written them off. Les docteurs leur avaient dit que c'est plus la peine. They are not going to give birth. Qu'ils ne peuvent plus accoucher. And they have many children. Et elles ont eu beaucoup d'enfants après. Many miracle children. Il y a eu beaucoup de bébés miraculeux ici. Cancer disappearing. Des cancers ont disparu. Fibros melting and coming down. Les fibromes ont fondu ici et sont sortis ici. So many miracles. Il y a eu trop de miracles ici. Hallelujah. Amen. So this year, alors cette année, I say by your own hand, je dis que par tes propres mains, you are going to work miracles. Si tu crois, tu feras de grands miracles. Verse 11. Le verset 11. Verse 12. Le verset 12. Stand up and let's read. Levez-vous et lisons ensemble. 1, 2, 3, lisons. Au point qu'on appliqua sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Alléluia. When you touch the sick, quand tu toucheras des malades, they will be healed. Les maladies disparaîtront et seront guéris. When you touch anyone that is troubled by evil spirit, quand tu toucheras quelqu'un qui est tourmenté, possédé par des esprits méchants, the spirit will leave them. Les esprits impurs sortiront d'eux. Anybody, toute personne, with mental disorder, qui a un désordre mental ou qui a la folie, troubled by the spirit, qui est troublé par des esprits malins, as you lay on his head, quand tu mettras ça sur la tête, the spirit of the holy, the devil, les esprits malins sortiront. Au nom de ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 15 55. www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.